Bienvenue dans cette édition de Biopic. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre magazine qui raconte en trois dates le parcours captivant des personnalités qui vous intéressent. Paulin Soumano disait que le cinéma africain est africain parce qu'il est fait par des Africains et pour les Africains. Alors aujourd'hui, laissez-moi vous parler d'une des pionnières du mouvement cinématographique camerounais. Nous l'avons connue devant la caméra dans le film Paris à tout prix. Et derrière la caméra, elle occupe le poste de réalisateur, scénariste et productrice. Elle s'appelle Joséphine Daniaud. Installez-vous. Née en 1964, Joséphine Daniaud est une réalisatrice, productrice et scénariste qui a fait ses débuts à la télévision nationale CRTV depuis plus de 15 ans. Elle est également titulaire d'une maîtrise en réalisation obtenue à l'Université de la Sorbonne. En août 1990, elle débute sa carrière avec la production des longs-métrages tels que « Étoile du Noudi » et « Le Retraité ». Ces longs-métrages ont grandement contribué à sa notoriété au Cameroun. Qu'est-ce que tu viens faire ici, ma fille? Viens. Bonjour. Bonjour, ma fille. Pour que tu me dises où tu as gardé mon acte de naissance. L'acte de naissance? Je peux t'être utile? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Tu vas pas me dire que tu es venu jusqu'ici juste pour m'aider. En septembre 2005, la sextagénaire communément appelée Dazibi revient au cinéma avec le film Les Saignantes de Jean-Pierre Bokolo. En 2007, elle sort son film sur l'immigration en Occident, Paris à tout prix. Le film bat d'ailleurs les records tant au Cameroun qu'à l'international. J'ai une obligation à 1 h 1 min. Une obligation de quoi? J'ai plus beaucoup de temps. Une obligation de quoi? Oh, celle de faire l'amour dans un carrefour. Carrefour? Ça, c'est la sorcellerie. Monsieur, laissez-moi sortir. Arrêtez-vous, monsieur, arrêtez-vous. C'est la fin de ce biopic. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition d'ici là. Portez-vous bien, soyez heureux et surtout marquez vos avis en commentaire ce que vous pensez de Joséphine Daniaud. Partagez, likez, ça nous fait plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages sur les réseaux sociaux affichés jusque-là. Et bah, ciao!